Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Oui, alors je m'appelle Ludivine Simonin, je suis directrice opérationnelle d'un campus des métiers et des qualifications dans l'automobile et la mobilité du futur. Nous sommes portés par l'UTBM, l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, qui, comme son nom l'indique, se trouve à Belfort-Montbéliard. Après, il y a un troisième site qui est à Sevenans. Voilà, donc on est sur le Doubs et le territoire de Belfort. Quel type de service vous proposez? Alors, c'est un petit peu compliqué. Un campus des métiers et des qualifications, c'est une structure qui a plusieurs missions. Donc, la première, c'est faire la promotion de métiers, pardon, et d'une filière. Donc, en l'occurrence, pour nous, ça va être faire la promotion des métiers de la filière automobile, de l'amont jusqu'à l'aval de la filière. Donc, on va balayer tout ce qui est, par exemple, ben, construction d'un véhicule, mais aussi la maintenance, la vente. Voilà, par exemple, les domaines qui nous touchent. Très bien. On a donc effectivement ce champ-là. On participe à des salons. On va par exemple au Salon de l'automobile à Paris, Mondial de l'Auto, pour présenter nos formations. On va aller sur des salons, par exemple le Forum de l'Emploi, ce genre de choses, pour promouvoir nos métiers. Et puis on a aussi un volet pédagogique où on essaie de participer à la conception, à la réalisation d'outils pédagogiques ou andragogique pour les adultes. Et puis le dernier volet, ça va être la création ou l'adaptation de formations déjà existantes. On a par exemple une licence pro qui existe en plasturgie, et en, pardon, un bac pro en plasturgie. Et donc ce bac pro, on a décidé de l'agrémenter d'un module issu d'un titre pro de l'AFPA. Parce qu'on a réalisé que ce bac pro, en fait, il n'était pas assez poussé sur tout ce qui est matériaux composites. Et au contraire, le titre pro stratifieur multiprocédé matériaux composites de l'AFPA est très intéressant. Donc, on est venu là piocher le module avec l'accord de l'AFPA. On est venu piocher le module 1 qu'on va injecter sans vilain jeu de mots au bac pro. Et donc, ce module sera validé comme si c'était un titre pro avec les mêmes modalités qu'à l'AFPA. Et donc, comme on ne peut pas obtenir de diplôme pour les jeunes issus de la formation initiale ou par apprentissage pour un diplôme issu de la formation continue, on va créer un open badge spécifique pour ce module-là. Comment avez-vous connu le concours Maïelec? Alors, j'ai rencontré Laurent Jeannenant, qui est donc Le vice-président. vice-président du concours, lors d'un événement que j'ai organisé le 21 et 22 mars dernier, qui s'appelle le CMQ Tour. Et en fait, lors de ce concours, on a invité tous les enseignants des filières électricité de Franche-Comté et tous les enseignants des filières maintenance des véhicules de Franche-Comté pour présenter la mobilité électrique au sens large. Et donc Laurent est venu et on s'est rencontrés de cette façon. Très bien. Et que pensez-vous de ce concours? Alors, je pense que c'est une super opportunité pour les jeunes, d'une part de montrer leurs compétences, d'autre part d'être valorisés et de se valoriser, tant à titre personnel, voilà, valoriser ce que moi je sais faire, mais aussi pour le travail, pour le futur, en se disant, ben voilà, regardez, pour le chef d'entreprise, j'ai participé, je suis arrivé à telle place au niveau national. C'est toujours positif de faire ça. Et que pensez-vous du salon Maïelec? Alors, je trouve que c'est intéressant. C'est vrai que j'aurais préféré être là demain parce que je sais que demain, j'ai des partenaires qui viennent pour présenter aussi leur savoir-faire et leurs actions spécifiques. Voilà, ce serait à refaire. J'aurais peut-être fait les choses différemment. Mais voilà, c'est la première fois, donc il faut aussi Bien comprendre sûr. comment ça fonctionne. Et je pense que le fait que ça soit un lycée, effectivement, professionnel, limite un petit peu les possibilités de ce qu'on peut montrer. Faut que ça soit très ciblé par rapport aux classes que vous avez ici. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous.